Le régime collectif d'allocation de retraite a remporté le prix de bonne pratique de l'ASS cette année pour son projet gestion en relation client, multicanal et agile. Donc ce projet, il est né il y a plusieurs années. Déjà, il a démarré en 2003, donc l'année où nous avons décrété ce que nous appelons chez nous le modèle d'excellence du RCR. Et à cette époque, on s'est rendu compte que donc, on n'avait pas vraiment une relation client, donc de manière instaurée de manière formelle, et que la majorité du personnel traitait l'ensemble des requêtes, en fait, ils appelaient ça les requêtes clients, de manière réglementaire selon les textes. Donc, on a lancé un grand chantier en 2003 qui s'appelait donc l'approche processus systémique. Donc, on a généralisé donc cette approche donc à tous les étages, à tous les niveaux. Donc, et on a commencé à travailler donc petit à petit. Et par la suite, on a commencé à grandir en maturité. Donc, on a tiré profit aussi des technologies. Donc, on est passé par plusieurs étapes. Donc, je vais essayer donc de venir à la dernière étape, celle, enfin, le système que nous avons soumis actuellement et celui que nous utilisons, que nous appelons donc dans notre jargon interne l'usine retraite. L'usine retraite, hein, de la caisse de dépôt et de gestion qui gère le régime collectif d'allocation de retraite. Alors, ce projet qui a démarré en 2010, c'était une refonte totale de tous nos processus métiers. On a tout cassé, on a tout reconstruit et on a revu toutes les technologies. On a utilisé les meilleures technologies du monde actuelles, mais on a fait ça donc dans un cadre bien défini. En interne, on a conçu donc un modèle de transformation des processus que nous appelons le modèle 3P générique. Pourquoi 3P? Ben, tout simplement, le premier P pour tout ce qui est policy ou politique d'entreprise. Ça, je vais expliquer brièvement. Donc, si vous voyez notre vision 2010-2015 et la nouvelle 2015-2020, vous allez trouver quelque part, par exemple, la vision 2015, vous allez trouver la deuxième priorité stratégique. Elle dit clairement continuer à satisfaire et à dépasser les attentes de nos clients. Donc, à partir de ce moment-là, donc les choses sont claires au plus haut au niveau stratégique. Et comme nous avons une démarche de planification stratégique extrêmement pointue, rigoureuse, tous nos plans d'action et toutes nos actions, tous nos actes quotidiens, eh bien, ils déclinent, si vous voulez, donc de nos priorités stratégiques et certainement de la deuxième également. Donc, et on dit dépasser, pas uniquement satisfaire, mais dépasser. Voilà. Donc, sur le volet stratégique, donc c'est quelque chose qui est porté au plus haut niveau. Alors, le deuxième P, ce que nous appelons le P people, personnel. Et là, donc, c'est toute la partie sensibilisation, formation, sensibilisation, bien sûr, donc à l'approche client, donc au respect du client, formation sur les techniques de la gestion de la relation client. Et là, donc, nous avons bien sûr, au niveau de notre personnel, nous avons ce que nous appelons les frontline people. Donc, c'est vraiment les front office, les gens qui sont donc devant les clients. Et ceux-là, ils sont extrêmement importants pour nous. Et tout le monde doit travailler pour frontline people qui, eux, travaillent pour le client. Et ça, c'est des choses qui ne sont pas uniquement dites de manière, si vous voulez, un peu juste et hypocrite, mais c'est sincère. Pourquoi? Parce qu'une bonne partie de notre salaire, enfin ce que nous appelons la partie variable, eh bien, il est indexé sur le taux de satisfaction de nos clients. Et les choses, elles sont claires. Et d'ailleurs, en plus de la stratégie, en plus donc des choses très formelles, nous avons diffusé des petites phrases, hein, des slogans depuis pas mal d'années. Par exemple, si monsieur, madame, mon client est mécontent, la direction est mécontente ou le directeur est mécontent. Ou bien payer le bon montant de la pension au bon moment, à la bonne personne, à la bonne adresse et avec le sourire, s'il vous plaît. Donc, vous voyez, donc, des choses très, très simples. Et en situation de crise, nous sommes tous déchargés de clientèle. C'est-à-dire, ben, il y a aucun doute sur cette question. Bien sûr, nous avons implémenté, bien sûr, le code de déontologie, la charte d'éthique. On a fait plein, plein, plein de choses sur ce P aussi. Et à la fois, bien sûr, ce 3P, il a servi pour avoir le premier prix des bonnes pratiques, mais aussi le deuxième, enfin, le certificat de mérite que nous avons gagné cette année pour la lutte contre la corruption. C'est exactement la même chose. Donc, le 4 et le 3e P, et non des moindres, c'est processus, au process. Et là, donc, c'est là où nous avons vraiment profité pleinement de la technologie. Donc, nous avons domestiqué la technologie et depuis pas mal d'années. Donc, la plateforme chez nous, Usine Retraite, qui est la plateforme organisationnelle et technologique pour gérer n'importe quel régime de retraite et n'importe quel fonds de prévoyance. Donc, c'est pratiquement l'une des rares innovations que nous avons observées partout dans le monde. C'est un système d'information multifonds, multi-régimes. Aujourd'hui, donc, cette plateforme, si vous voulez, le troisième palier, c'est ce que nous appelons le palier relation client. Donc, c'est avec celui-là que nous avons donc participé. Donc, celui-là, donc, c'est un système d'information et c'est une organisation qui est à la fois multisite,
multi-produits et multi-canal. C'est-à-dire tous les produits, enfin je rappelle qu'en plus de RCR, nous gérons 20 autres produits de retraite et fonds de prévoyance. Donc c'est la même plateforme, c'est les mêmes technologies. Donc, alors cette technologie aujourd'hui, donc, elle utilise la technologie web, donc la technologie mobile, le centre d'appel, tous les canaux possibles pour le client. Et là, donc, l'usine retraite reposant sur des technologies top en termes de jet, de workflow, enfin, des technologies très robustes, permettent de garantir la traçabilité de nos transactions, la fiabilité, la robustesse, la sécurité. Et ça, c'est très important. Je rappelle à ce titre que le RCR est zéro papier interne et externe depuis 2007. C'est-à-dire le parapheur ne circule pas. Donc, et pour compléter le système, nous avons encapsulé dans nos processus tout ce qui concerne les indicateurs clés de performance, les KPI, et c'est tout ce qui est risque. Tout ce qui est risque, et à partir de là, vous avez une organisation process c'est elle qui fonctionne. En fait, ce n'est pas l'organisation hiérarchique structurelle. C'est l'organisation processus avec ce que nous appelons les équipes action processus qui sont dirigées par des pilotes de processus qui sont de véritables patrons. Donc, en face des non-conformités ou des dysfonctionnements, ils font de l'analyse et décident les ACP, les actions correctives préventives. Et je peux vous garantir que 95% de ces actions, moi, je ne les vois pas. Donc, ce sont de véritables patrons. Et voilà, et c'est toute cette dynamique aujourd'hui qui a fait que nous avons traduit notre volonté d'être au service de nos clients, de dépasser leurs attentes, que nous arrivons à relever ce défi de manière quotidienne. Et la voie de l'excellence, elle continue. Et je ne terminerai pas sans préciser que ce modèle d'excellence que nous avons implémenté, eh bien, nous avons commencé il y a quelques mois un virage important, c'est-à-dire nous avons commencé à l'aligner sur les lignes directrices de l'ASS, que nous avons effectivement bien analysé et nous avons trouvé qu'il ressemblait énormément à tous les référentiels d'excellence qu'il y a partout dans le monde. Et donc, pour ne pas trop nous éparpiller, on a dit, voilà, notre référence, ça sera les lignes directrices de l'ASS. J'espère que l'année prochaine, donc, on pourra être conforme à toutes ces lignes et peut-être prétendre à la certification ASS.